travail dans la communauté hein, et que nous jugeons que le travail ça est très important. Donc c'est peut-être ça que nous investissons, tant nous et finances, nous investissons en pile bagaille pour nous ça et rencontrer avec personnalité ça. Alors jeudi, hein, nous avons l'occasion pour nous rencontrer avec Franz Bourget. Eh bien, nous connaissons que Franz Bourget, c'est un viejo, hein, c'est un petit thème espagnol. Là. Son viejo dans la communauté, hein, avait dit monsieur dans la communauté pendant 4 ans, et la font travail extraordinaire. Donc, nous rencontrons dans l'occasion côté, et je dis, hein, nous dans l'environnement, côté que nous pourrons suivre une présentation de une série de candidats et qui pourra le bas une série d'informations. Ça veut dire que vous pourrez faire une session côté que la session ça vous pourrez informer et une série de monde surtout communauté haïtienne sous affaire voter qui j'en pour voter et puis si vous bien comprendre c'est pas voter seulement n'a, en même temps rencontrer candidats ou n'a reconnaître. Et surtout, c'est dans le niveau et Georgia, surtout. Donc, Franz Bourget, Abdou, bonsoir et bienvenue dans Micro Moins. Bon, encore du gay, merci beaucoup. C'est un plaisir, comme toujours, pour vous rencontrer à vous, parce que depuis nous rencontrer, nous avons toujours fait de belles échanges et partager des informations qui ont fait la communauté haïtienne du bien. C'est ça, Franz. Donc, je crois que vous faites partie d'une organisation, vous avez un petit cause pour faire la communauté, vous avez besoin d'informer la communauté sur l'organisation que vous faites partie là, et qui projet vous avez. Donc, faut-il parler nous un petit peu de l'organisation ça. Ok, nous avons une organisation qui est le Front Uni de la diaspora haïtienne. Okay, qui formé, ça a un an de cela. Et la raison pour laquelle tu es formé, l'original raison, c'est parce que nous t'apprenons qui gens, après que tu es venu amender la Constitution 1987, là, côté que tu dit que Haïtien gagne un droit à double nationalité, à multinationalité. Alors nous t'apprenons qui gens qui sont capables de participer dans l'élection que tu as faite en 2015. Okay? Et de là, le mouvement était si tellement positif, nous avons si tellement une bonne réponse de la communauté haïtienne dans la diaspora, que nous voyons que au lieu de nous créer un mouvement, nous avons créé une organisation. Alors, nous avons fait de 20 à 25 organisations qui mettent tête ensemble, qui viennent faire partie du Front Uni et de la diaspora haïtienne. So, et, organisation, ça, France, qui mettait au paquet d'organisations, on dit de 15 à 20. Mm-hmm. Et est-ce de 20 à 25. De 20 à 25, voilà. Mm-hmm. Est-ce que l'organisation ça a eu, c'est dans Georgia seulement? Non, non. Et c'est global. Les global. Il y a des organisations non seulement dans les États-Unis, différents États dans les États-Unis. Nous avons le Canada, nous avons en Europe, nous avons dans les Caraïbes, la Jamaïque. Vous comprenez? Et so, travail, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans exactement. Le monde entier, ok. Ah donc qui pour parler nous un petit peu de objectif organisation ça à court terme et à long terme. Bon objectif organisation, bon premièrement mission organisation c'est pour nous candidats pour diaspora capable intégrer dans des affaires pays nous en Haïti. OK? So, nous rassembler en autour de affaire de 10 points d'unité, OK? Qui parlait de et m'a dit position économique, position civique, une position culturelle, ouais, et pour encore pour nous faire en full, en intégration qui full, non et pays non Haïti, nos affaires Haïti et d'affaires haïtien. Ok, et en notre partie économique, là, parce que nous connaissons que nous même dans la diaspora, nous contribuons en pile dans question économique dans le pays d'Haïti. Et suivant la dernière information qui sortit, à peu près 3 milliards oui, chaque année. Officiellement, les 2 milliards de dollars auxquels okay. Nous avons contribué dans l'économie haïtienne. Ok, okay ben, mais qui l'autre façon où nous avons contribué à pas de partir à toute l'argent, ça, bon, pas l'argent. On va l'expliquer, ce n'est pas que de l'argent, mais l'argent, ça est un genre invisible. Okay. Dans qui sens que l'invisible, parce que c'est comme nous avons directement dans la famille.
OK? Qui bol visible c'est en Dominicanie et Miami. Pour qui ça? Parce que le nouveau école là comme ça, ils utilisent le plus pour faire pour la vie quotidienne, tel que manger et rad bagay sa yo et côté manger ça sorti en Dominicanie avec et Miami. Vous comprenez? So, c'est ça que même si que et en Haïti, yo connaît que comme ça a rentré, yo connaît impact que comme ça a gagné, mais yo dit que l'invisible. Vous comprenez? So, gens pour nous paraître visibles dans la société haïtienne, nan, nous gagnons comme diaspora pour nous faire des investissements et dans le pays. Vous comprenez? Des investissements que nous avons. Par exemple, si et diaspora est investi, par exemple, dans l'hôpital qui administré par la diaspora. Vous comprenez? Mon ka wè. Oh, mon cher, l'hôpital ça c'est l'hôpital diaspora qui lié, c'est diaspora qui investit, c'est eux même qui travaillent, c'est eux même qui bail service et tant d'autres et on a dit entreprise que nous capable involve là-dedans, ouais. Et c'est pour nous commencer à garder tout parce que Haïti si on regarde ces derniers temps, Haïti gagne un paquet étrangers qui intéressé là-dedans. Vous voyez, longtemps, lorsqu'on voyage à l'Haïti, tout avion, c'est haïtien sur mon terrain. Quand on est sous l'avion, sous mon avion pour l'Haïti, quelque chose à côté de sorti, ici, Atlanta, ou bien Miami, ou bien New York, on va voir plus que, et on dit plus que 50% dans le monde qui a rentré à Haïti, ce n'est pas haïtien que vous voyez. Vous comprenez? Et là, attendez, là, décrit Haïti, il y a de son pays qui est pauvre, son pays qui est ici, qui est l'autre bord. Mais vous posez cette question, bon, si Haïti est pauvre, si Haïti gagne tout mal ça là-dedans, qui ça moun ça va faire en Haïti? Vous comprenez? Et là, entre en Haïti, ou est-ce que même qui est pire à l'aise, parce que tout le monde en Haïti. Vous comprenez? Okay. So, c'est pour nous investiguer, pour nous voir, ça nous gagne en Haïti, vous comprenez? Qui gens que nous avons fait le mieux, qui gens que nous avons créé des emplois, et qui gens que nous avons créé des richesses. Parce que Haïti est un pays qui est vierge, supposément. Okay, tout bas, attendez, je dis par exemple, Haïti a fait 220 milliards de dollars de l'huile qui est dans le sous-sol. Je dis qu'on a fait de 20 milliards de l'or qui est dans le sous-sol. Nous avons l'autre quantité qui est dans l'uranium, on paquet l'autre et métal précieux qui est dans le pays. Mais nous pas qu'à chiter à deux, on n'a pas ces misères. Parce que tout côté haïtien passé, la passe misère. Vous comprenez que bien ou mal, la passe misère. Parce que même si on a mené ici, mais où on a pu bien dans le pays. Parce que là, ça, c'est le pays où qui t'a progressé, c'est le pays où qui t'a avancé, c'est le peuple qui t'a développé. Vous comprenez? Mais c'est le bagage que nous avons gardé dans le fond uni. Côté que, comme on dit, dans 10 points d'unité, nous avons différents et comités qui travaillent sur des points très précis. Ouais, très prochainement, nous avons gagné un website qui a monté, que nous avons pris plus d'informations sur ça que l'organisation a fait. C'est ça. Okay. Est-ce que nous avons intention d'organiser, créer même une zone de la diaspora?